C'est au cœur de la Saxe et sur les bords de l'Elbe que se dresse un joyau de l'art baroque, Dresde. Aujourd'hui capitale artistique et culturelle d'envergure européenne, elle a été la résidence des princes électeurs. L'église Notre-Dame, la cathédrale de la Sainte-Trinité, le château, le Zwinger sont les emblèmes de Dresde. Au même titre que les célébrissimes chérubins de la Madone Sixtine de Raphaël. Les visiteurs se pressent depuis plus de 300 ans pour admirer la capitale saxonne surnommée la Florence de l'Elbe et immortalisée par Canaletto. Ce patrimoine architectural et artistique unique est l'œuvre d'un bâtisseur à la volonté de puissance inégalée. Auguste, dit le Fort, prince électeur de Saxe et roi de Pologne. Homme de pouvoir et de plaisir, il inaugure à Dresde un âge d'or qui se poursuivra avec le règne de son fils et successeur Auguste III et prendra fin subitement à la mort de ce dernier. En 66 ans de souveraineté, père et fils parviendront à donner à la Saxe toutes ses lettres de noblesse et à faire rayonner sa capitale à travers les siècles. Dresde, septembre 1719. Le prince électeur de Saxe et roi de Pologne marie son fils. Les rives de l'Elbe deviennent le théâtre de l'une des fêtes les plus retentissantes de la période baroque. Ces réjouissances arrivent à point nommé pour la Saxe, qui se relève à peine d'une épidémie de peste ayant laissé dans son triste sillage plus d'un million de morts en Europe. La jeune mariée a 19 ans. C'est la fille de l'empereur Joseph Ier du Saint-Empire romain germanique. Marie-Joseph de Habsbourg doit assurer un avenir glorieux à l'électorat de Saxe. Les sentiments du jeune couple comptaient bien peu, j'en ai peur. L'important, c'était l'image et le positionnement de la Saxe sur l'échiquier politique international. Pour Auguste le Fort, marier son fils à une princesse issue de la maison de Habsbourg, c'était s'allier à une dynastie de tout premier plan. Le lien ainsi scellé permet au prince électeur d'espérer que sa propre maison, dite de Wettin, pourra un jour prétendre au trône impérial. C'est aussi ce qui explique l'envergure des moyens déployés pour ce mariage. Les festivités dureront plus de 20 jours. Ces gravures extraites de l'album de souvenirs de la maison royale témoignent des opéras et ballets, des cérémonies religieuses, des joutes de chevaliers, bals costumés, chasses et combats d'animaux qui se sont succédés à un rythme effréné. C'est, dans les gènes de la Saxe et de Dresde, qui n'a pas un territoire immense, qui n'est pas doué pour les guerres, de régner d'une autre manière, c'est de régner par les arts. Nous voici dans la cour intérieure du château. Créé au XVIe siècle dans le style Renaissance et orné de sgraffites réalisés par des artistes italiens, sa façade a retrouvé aujourd'hui toute sa splendeur d'origine. À l'occasion du mariage de son fils, Auguste le Fort fait remanier plusieurs salles de l'aile occidentale dans le style du baroque tardif. Elles formeront ce qu'on appelle l'appartement de parade. Entièrement détruites lors de la Seconde Guerre mondiale, ces salles d'apparat font l'objet depuis plusieurs années d'une reconstitution à l'identique, d'après plans et maquettes. Ce sont des pièces incroyablement importantes dans l'histoire de la Saxe, car elles forment le point culminant du grand projet d'Auguste le Fort, décrocher la couronne impériale. Cet énorme investissement dans l'appartement de parade était destiné à prouver à l'Europe tout entière que cette maison était digne de fournir le prochain empereur.
Et pourtant, quand Auguste voit le jour le 12 mai 1670 au château de Dresde, même la couronne de prince héritier est loin de lui être acquise. Il n'est que le puîné du prince électeur Jean-Georges III. Le titre et le pouvoir sont réservés à son frère aîné, le futur Jean-Georges IV. La Saxe s'est remise des terribles dévastations de la guerre de 30 ans plus rapidement que d'autres électorats allemands. Des sols fertiles et un sous-sol riche en minerais lui valent une reprise fulgurante de son économie. À Dresde, comme à Pirna, dont voici quelques reproductions, l'essor de la Saxe est aussi dû à l'afflux de plusieurs milliers de migrants protestants ayant fui les États catholiques pour trouver refuge dans le berceau de la réforme luthérienne. Mais du point de vue politique, la Saxe n'est encore qu'une principauté de second rang, comme il en existe plusieurs dizaines à travers le territoire allemand. Elle va chercher son salut dans différentes alliances avec les grandes puissances de l'époque, à commencer par la France et l'Autriche. Les alliances entre maisons régnantes sont d'une importance capitale. Auguste est issu par sa mère de la famille royale de Danemark. C'est donc à Copenhague que le jeune prince fera son premier grand voyage. À peine rentré, le jeune homme de 17 ans entreprend en 1687 son grand tour. Le grand tour était un voyage initiatique destiné à parfaire les connaissances que l'on avait acquises chez soi. Il s'agissait notamment de parfaire sa maîtrise des langues étrangères, en particulier du français et de l'italien. On visait aussi l'excellence dans les domaines de la danse, l'équitation, l'escrime, toutes ces disciplines faisant partie du mode de vie d'un jeune noble. Le but était de se perfectionner sur les lieux où l'on considérait à l'époque que ces disciplines étaient le plus développées et où l'on trouvait les meilleurs enseignants et ambassadeurs. Chaperonné par l'intendant Christian Auguste de Haxthausen, Auguste parcourra ainsi l'Europe pendant plus de 2 ans. Une rente mensuelle de 2000 thalers lui garantit l'aisance qui sied à son rang. Flanqué d'un médecin, d'un confesseur et de plusieurs pages, il se rend à Fulda, Strasbourg, puis Paris. En cette fin de XVIIe siècle, la France est une superpuissance et Paris, la plus grande ville du continent européen. On estime à près de 700 000 le nombre de ses habitants. En comparaison, Dresde, avec ses 30 000 âmes, fait figure de simple bourgade. La ville bénéficie déjà de l'éclairage public et d'un réseau moderne d'approvisionnement en eau. Ses anciennes fortifications ont été remplacées par des boulevards plantés d'arbres. Le pays est placé depuis 1661 sous la coupe d'un seul homme, Louis XIV. Une dérive absolutiste du pouvoir contre laquelle la noblesse française s'est opposée, mais en vain. Il n'y a plus en France qu'une seule autorité, inattaquable, celle du roi Soleil, incarnation de la monarchie absolue. XIV va chausser cet habit juridique de manière absolument personnelle et de manière tellement unique que c'est ça ce qui va frapper ses contemporains. C'est la manière dont il va le mettre en scène. Et ça, c'est un point qui est très, très important parce que ça, ça a marqué tous les contemporains. Cet idéal de grandeur se reflète dans l'architecture du nouveau palais que Louis XIV se fait construire à Versailles. À partir de 1668, un ancien relais de chasse situé aux portes de Paris
est transformée à grands frais en une splendide résidence royale. Lorsque le jeune Auguste arrive à Versailles, plus de 30 000 ouvriers sont occupés à aménager le château et ses jardins, selon les moindres désirs du roi. Un chantier gigantesque qui donnera naissance à une œuvre d'art totale, symbole éclatant de la volonté de puissance du roi Soleil. Durant cet âge d'or de Louis XIV, Versailles devient la cour qui donne le la en Europe, d'un point de vue culturel comme cérémoniel. Son influence s'étend à toutes les monarchies européennes. C'est donc une destination très intéressante pour ces jeunes nobles, censés s'imprégner de la quintessence de la vie sociale de la cour. André Le Nôtre, le jardinier en chef du roi, agence un parc de plus de 800 hectares, agrémenté d'innombrables sculptures, de canaux, de plans d'eau et de fontaines. Les allées séparant pièces d'eau et bosquets convergent toutes vers le château. Le message est clair. Souverain absolu par la grâce de Dieu, Louis XIV est au centre de tout. La nature et les hommes lui sont assujettis. Le jeune prince venu de Saxe est ébloui. Enfin, last but not least, il a connu Versailles à son apogée, avec la galerie des glaces achevée, le mobilier d'argent complet, juste avant qu'il ne soit fondu pour les guerres. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il a véritablement connu la résidence royale d'un souverain et d'un monarque absolu à son apogée, ce qui est une chance absolument incroyable. La surface bâtie du château de Versailles occupe plus de 50 000 mètres carrés. On y recense 1800 pièces, formant un labyrinthe aussi opulent que coloré. Au centre du château se trouve la chambre du roi. Bien loin d'être un lieu privé, voué au sommeil et à l'intimité, c'est l'épicentre du pouvoir. Le lever et le coucher du roi sont des cérémonies d'État. Lorsque le roi Soleil est vêtu et dévêtu, jusqu'à 100 courtisans assistent à la scène. Une noblesse qui se ruine pour pouvoir venir, pour pouvoir paraître, pour obtenir des faveurs, et en même temps une très grande noblesse qui est asservie, qui devient tel un laquais, le plus grand des seigneurs, attend l'ordre du roi pour rentrer dans la chambre. Le plus grand seigneur donnera le pot de chambre ou au contraire le bénitier. À défaut d'être admis dans la chambre du roi, le jeune Auguste peut pénétrer dans la grande galerie. Achevée quelques années plus tôt, celle-ci est fréquentée par les courtisans et quelques visiteurs de haut rang. Ces 357 miroirs, dans lesquels se reflètent les dorures et la lumière des fenêtres, lui valent le nom de Galerie des Glaces. Ses plafonds peints vantent sur près de 70 mètres les exploits et hauts faits du souverain. Le jeune Auguste va ainsi déambuler dans la lumière que projettent les 17 grandes fenêtres qui donnent sur le parc. Le roi nous a reçus fort honorablement et presque d'égal à égal, de sorte que nous avons tout motif d'être satisfaits. Il nous a accordé plus d'attention qu'aux autres et traités avec plus d'égards.
Si le prince est reçu aussi chaleureusement, il le doit à l'intercession d'une personnalité influente. Son intendant Axthausen est en effet l'ami d'enfance d'Elisabeth Charlotte de Bavière, princesse palatine et belle-sœur du roi. Mariée à Philippe Ier, duc d'Orléans et frère cadet du roi, celle qui se fait appeler Liselotte prend le temps d'introduire le jeune Auguste aux us et coutumes de Versailles. Ce qui ne l'empêchera pas de constater dans l'une de ses nombreuses lettres « La France a horriblement gâté les lecteurs de Saxe. » Quant à l'intendant Axthausen, il ajoutera « Les craintes que j'avais nourries étaient infondées. Non seulement le prince n'a eu aucun mal à oublier la bière de Saxe, mais il s'est parfaitement accoutumé au vin rouge français. » Le prince dépense 800 thalers par mois en vin, repas et fêtes. Mais son séjour a d'autres visées qu'une simple partie de plaisir. Il avait un plan de visite clairement défini, qui allait bien au-delà des châteaux et des parcs. C'était aussi des galeries d'art, des collections privées, des manufactures, des fortifications. Par exemple, ces immenses roues à eau de la machine de Marly, qui alimentaient les fontaines de Versailles. C'était un point très important. Cela l'intéresse d'autant plus. Donc, les manufactures, il ira d'autant plus volontiers au Gobelin ou ailleurs pour découvrir tout cela et emporter en Saxe tous ces savoir-faire qui l'ont impressionné. Après la visite des cours de Madrid, puis de Lisbonne, Auguste se met en route pour l'Italie en décembre 1688. Il arrive à Venise avec sa petite escorte, juste à temps pour l'inauguration de la saison du carnaval. La Sérénissime doit sa prospérité au commerce. Jusqu'au début du XVIIe siècle, la République de Venise est le principal port d'entrée en Europe des marchandises venues d'Orient. Mais les conflits avec un empire ottoman en pleine expansion affectent durablement les lucratifs échanges en Méditerranée. La place vacante de première puissance commerciale est rapidement occupée par la marine hollandaise. Venise devient alors un haut lieu de culture et de plaisir pour les élites d'Occident. De nombreuses salles de concert ouvrent au bord des canaux. Des casinos et des lupanars aussi. La ville compte plus de 10 000 prostituées, de la fille de joie à la plus convoitée des courtisanes. Le carnaval est pour ces femmes une saison d'intense activité. Venise est infestée de syphilis. Cette maladie vénérienne, appelée tantôt mal de Naples, tantôt mal français, frappe sans distinction de fortune ou de rang. Mais Auguste a de la chance et sort indemne de ses aventures vénitiennes. Les guides de voyage parlent volontiers de la licence vénitienne en période de carnaval. D'une part, il s'agit de la liberté de se rendre à l'opéra ou au théâtre, deux domaines dans lesquels Venise incarne la référence de son époque. Mais il s'agit aussi de profiter de certaines occasions que l'on n'aurait peut-être pas eues chez soi. Certains guides mettent donc en garde les jeunes voyageurs contre les trois grands dangers que sont le vin, le jeu et les femmes. Il est absolument certain que ces trois aspects jouaient un rôle très important dans ce type de voyage. Pour les artistes vénitiens, cet afflux de visiteurs fortunés est une aubaine. Les vues de la ville, ou Vedute, deviennent un souvenir très prisé dès la fin du XVIIe siècle. Si le séjour à Versailles est déterminant dans la formation politique du jeune prince, c'est l'Italie qui forgera son sens esthétique. La basilique Santa Maria della Salute, située à l'entrée du Grand Canal, est à peine terminée lors du séjour d'Auguste.
sa coupole centrale l'impressionne tant qu'il la fera copier pour l'église Notre-Dame de Dresde. À ce stade, rien ne prédestine le jeune homme à devenir un grand bâtisseur. À la mort de son père, c'est son frère, avec lequel les liens sont distendus, qui hérite du titre d'électeur. Mais Jean-Georges IV est emporté par la variole en 1694. Il n'aura pas régné 3 ans. Ce n'était pas quelqu'un de très chaleureux, si ce n'est peut-être envers sa femme, ou plutôt sa maîtresse. Il l'a embrassée alors qu'elle était très contagieuse, et c'est comme ça que son frère a hérité de son titre. Le cadet devient ainsi, à 24 ans, prince électeur de Saxe, sous le nom de Frédéric Auguste Ier. Il est loin d'égaler en puissance son modèle français, car la Saxe est un état dans lequel le souverain partage son pouvoir avec les ordres, clergé, noblesse d'épée et bourgeoisie urbaine. Les conflits venaient du fait que ces différents ordres avaient chacun leurs droits. Quand il s'agissait de faire la guerre, il fallait lever des fonds et les ordres pouvaient s'y opposer. La souveraineté du prince était donc considérablement limitée. L'absolutisme d'un monarque proclamant « l'État, c'est moi » et décidant de tout pour les autres était en Saxe une chose impossible. La cathédrale de la Sainte Trinité, à Dresde, est l'un des monuments emblématiques de la ville. Mais à l'époque de sa construction, elle incarnait aussi le pragmatisme de la famille régnante en matière de religion. La Saxe est le berceau historique de la réforme protestante. L'un des ancêtres d'Auguste le Fort n'est autre que Frédéric III le Sage, entré dans l'histoire pour avoir soutenu et protégé Martin Luther. La maison de Wettin sera l'une des premières dynasties allemandes à s'affranchir de la doctrine catholique. 2 siècles plus tard, Auguste fait pourtant le choix de revenir dans le giron de l'Église romaine. Ce revirement n'a toutefois rien à voir avec une quelconque conviction personnelle. Si le jeune prince électeur se convertit au catholicisme, c'est par pure stratégie politique. Le trône de Pologne est vacant. Ce bastion catholique est une monarchie élective. Le roi y est désigné par la noblesse. Or, un grand nombre d'électeurs, ou magnats, sont prêts à vendre leur voix au plus offrant. C'est ce qui fait du jeune Auguste, représenté ici sur le champ d'élection, à Varsovie, un candidat ayant toutes ses chances. Ce n'était pas à la portée de tous les autres princes. La Saxe offrait à Auguste des ressources qui lui permettaient d'agir. Dans un sens, Auguste a été le premier à saisir sa chance pour conquérir la couronne de Pologne. Ce qu'il cherchait naturellement aussi, c'était à jouer un rôle nouveau dans le concert des nations européennes, ainsi qu'à consolider et redéfinir sa place au sein de l'Empire. En tant qu'électeur du Saint-Empire romain germanique, Auguste était l'un des princes les plus haut placés. Quand il se rendait à Vienne, il y était reçu avec le cérémoniel réservé au roi. Mais son rang était bien moins élevé à l'échelle du continent. Auguste tient à faire briller son blason, et ce, à n'importe quel prix. Il veut être couronné roi de Pologne à Cracovie. Il a tout l'argent qu'il faut pour cela. Mais il lui manque encore la religion. C'est pourquoi le prince électeur de Saxe se rend à Vienne sans plus attendre afin de se convertir à la foi catholique. L'empereur jubilait de voir le prince électeur de Saxe devenir catholique. Le pape, lui aussi, devait être fou de joie à l'idée que le pays qui avait vu naître le luthérianisme allait se convertir. Mais ça n'a pas été le cas, bien sûr. Auguste le Fort savait qu'il n'y aurait pas survécu. Il a donc fait savoir très clairement que son choix était purement personnel et que la situation de la Saxe resterait inchangée. En 1697, le prince électeur de Saxe monte sur le trône de Pologne sous le nom d'Auguste II. Le petit électorat de Saxe, qui ne compte alors que 1 400 000 habitants,
s'agrandit ainsi d'un territoire composé du royaume de Pologne et du grand-duché de Lituanie, qui lui est rattaché, soit plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés et 12 millions de nouveaux sujets. De quoi s'attirer les convoitises des États voisins. Les troupes d'Auguste ne sont pas en mesure d'assurer à la fois la pacification intérieure et la protection des frontières de la Pologne. Au début du XVIIIe siècle, la Saxe est entraînée dans une série de conflits armés, longs et meurtriers. Dans le même temps, la Saxe en a profité, car l'ensemble du commerce entre la Pologne, la Lituanie et le reste de l'Europe transitait par elle. La foire de Leipzig, par exemple, est devenue la plus importante foire commerciale au nord des Alpes. Si l'on faisait un bilan purement comptable de la situation des caisses de l'État entre l'arrivée d'Auguste le Fort et sa mort, celui-ci serait très excédentaire. La ville de Dresde en a profité, elle aussi. Elle ne s'est peut-être pas fondamentalement agrandie, mais elle a gagné en splendeur en cherchant à se mesurer à Paris. Auguste lance une ambitieuse politique de grands travaux. Et fraîchement couronné roi de Pologne, il organise des festivités somptueuses à Varsovie comme à Dresde. Cette gravure en couleur représente l'une des nombreuses fêtes galantes, appelées courses aux dames. Auguste aimait s'y montrer aux côtés de ses maîtresses polonaises et saxonnes. Ce déploiement de faste inédit devient l'un des moteurs du développement économique de la Saxe. L'exploitation des mines, l'artisanat et la production manufacturière connaissent un essor fulgurant. Artistes, érudits, inventeurs et entrepreneurs affluent par centaines dans une Dresde en pleine métamorphose pour y tenter leur chance à la cour d'Auguste. La ville qui sert de résidence au souverain profite de son statut, car au-delà du prince, elle attire une quantité de diplomates et de hauts fonctionnaires de la cour qui sont eux aussi contraints d'y vivre. Ces personnages mènent grand train et ont des besoins qu'il faut bien satisfaire. La ville de résidence est donc toujours un lieu de grande prospérité économique. L'orfèvre Johann Melchior Dinglinger, originaire d'Ulm, s'installe à Dresde en 1692 et devient le joaillier officiel d'Auguste le Fort. Sept ans durant, il travaillera à son chef-d'œuvre, la cour du grand mogol Aurangzeb. Cette collection de figurines miniatures est aujourd'hui exposée à la voûte verte de Dresde. Il représente les festivités données pour l'anniversaire de l'empereur des Indes et se compose de 5223 diamants, 189 rubis et plus de 200 émeraudes, perles, camées et saphirs. L'or, l'argent, les émaux et les pierres précieuses représentent à eux seuls une valeur de près de 20 000 thalers. Auguste le Fort acquiert l'œuvre en 1708 pour près du triple. Une somme qui, à l'époque, correspond à 5 hôtels particuliers ou une trentaine de maisons de ville. On dit toujours que 100 000 thalers équivalent à une tonne d'or. Vous pouvez vous imaginer la quantité d'or que cette œuvre représentait. C'était certainement l'œuvre d'art la plus précieuse que l'on pouvait acheter à l'époque. Nous sommes ici en présence d'art des trésors, une œuvre extrêmement chère, capable de vous attirer les faveurs du souverain si vous en étiez le propriétaire, mais impossible à utiliser au quotidien et pratiquement impossible à mettre sur le marché. C'est tout simplement la manifestation suprême de la propension du souverain au faste et à la splendeur. L'architecte Matthäus Daniel Pöppelmann est originaire de Erfurt, en Westphalie. C'est lui qui est chargé d'ériger le Zwinger. Il est missionné en France par Auguste pour y puiser l'inspiration de ce projet ambitieux. Le Zwinger trahit ainsi l'influence des jardins d'André Le Nôtre et des réalisations de Jules Hardouin Mansart.
Quant aux ornements sculptés, ils seront commandés à un Bavarois, Balthasar Permoser, qui s'est déjà illustré à Vienne et Florence. Évidemment, Auguste Lefort va vouloir faire de Dresde une ville magnifique avec ses grands plans pour Lutzinger, qui est Lutzinger, cette réalisation de Lutzinger qui est en fait une simple avant-cour par rapport à un château qui ne sera jamais réalisé. Il va également envoyer ses architectes en France pour continuer à se former, Zacharias Langelune et les autres. Donc véritablement, il va y avoir à ce moment-là une période tout à fait bénie pour les échanges entre la France et l'Allemagne. La fièvre bâtisseuse d'Auguste Lefort est contagieuse. Ses ministres se font à leur tour construire des palais à Dresde et la ville elle-même cherche à rivaliser avec le souverain. Les bourgeois de la capitale décident d'ériger un lieu de culte protestant sous le nez de leur roi fraîchement converti au catholicisme. C'est un architecte saxon, Georg Baer, qui est chargé du projet. Son idée d'élever un bâtiment très élancé sur une place de marché aux dimensions étroites rencontre immédiatement l'assentiment des maîtres d'ouvrage. Le coût de l'imposante église Notre-Dame, dont le lanternon culmine à plus de 90 mètres, avoisinera 300 000 thalers, une somme considérable. À titre de comparaison, un soldat comme celui-ci, peint par Canaletto, devait se contenter d'une solde de 5 thalers par mois. Les guerres de Pologne ont beau vider les caisses du royaume, Auguste Lefort ne renonce ni à ses fêtes somptueuses, ni à ses ambitieux projets architecturaux. La splendeur et la puissance sont les maîtres mots de la politique d'Auguste Lefort. Mais comme elle nécessite beaucoup d'argent, il s'efforce de stimuler les recettes en fondant les manufactures et en favorisant l'artisanat dans une certaine mesure. En tout cas, l'artisanat d'art destiné à la cour. Un homme se fait fort de regarnir les caisses du royaume. Johann Friedrich Böttger. Il prétend être alchimiste, c'est-à-dire capable de transmuter les métaux en or, sans pouvoir en apporter la preuve, bien sûr. Mais Böttger et ses acolytes vont percer le secret de la porcelaine de Chine, le kaolin. Pékin va ainsi perdre son monopole sur la céramique fine, et la Saxe acquérir une industrie d'exportation hautement convoitée. Et c'est ainsi qu'en 1710 est inaugurée la manufacture royale de Meissen. Pour protéger son fragile état, Auguste s'allie à l'Autriche. En 1719, cette alliance est scellée par le mariage de son fils, le prince héritier Frédéric Auguste, et de l'archiduchesse Marie-Joseph, fille de l'empereur Joseph Ier. C'est le coup d'envoi d'un véritable marathon de festivités que le roi supervise personnellement. Les invités de sang bleu participent à un programme culturel et de réjouissance minutieusement orchestré. À Dresde, la capitale, mais aussi au château de Moritzbourg, où sont organisés des bals, des chasses et des joutes. Le coût total se situe quelque part entre 2 et 4 millions de thalers. C'est une somme à peine concevable. Il aurait pu mener une petite guerre pour moins que ça. Mais il est bien inspiré, car nous sommes en 1719, soit 4 ans après la mort de Louis XIV. Le champ est libre pour prouver au monde entier que Dresde a gagné ses galons d'épicentre de la splendeur baroque en Europe. Le chantier du Zwinger est achevé juste à temps pour le mariage du prince héritier. Ce superbe bâtiment de style baroque, qui abrite aujourd'hui les trésors des collections nationales de Dresde,
accueille à l'automne 1719 les festivités données par Auguste. Il avait parfaitement conscience de la portée symbolique et de l'écho que pouvaient trouver des événements de cette envergure. C'est peut-être quelque chose qu'il avait appris auprès de Louis XIV. Mais il éprouvait aussi le besoin de participer à leur conception. C'était, je pense, une façon de s'exprimer, d'entrer en résonance avec son époque. Ses ministres se plaignaient quelquefois du fait qu'ils tenaient absolument à passer en revue tous les détails et qu'ils chamboulaient souvent tous leurs plans. L'aile occidentale du château de Dresde, grandement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, a été reconstruite à la fin du XXe siècle. L'équipe de restaurateurs a reconstitué les salles d'apparat spécialement conçues pour le mariage princier de 1719. Elle s'est appuyée sur des plans, croquis et photos pour recréer à l'identique l'appartement de parade. Ces salles somptueuses, richement décorées et meublées, avaient pour principale fonction d'impressionner les invités du roi. Je crois qu'on a du mal à concevoir à quel point tout était pensé, jusqu'aux dorures des bronzes, etc., pour contribuer à créer une impression d'ensemble extraordinairement somptueuse. Ce qui veut dire que quand on avait deux horloges dans une pièce, on se retrouvait dans une situation assez absurde, et la plupart du temps, on en arrêtait une. Car les deux ne donnaient jamais exactement la même heure. Tous les éléments ornementaux, qu'ils aient été là depuis le début ou ajoutés par la suite, servaient toujours à impressionner. Au moment de l'aménagement de l'appartement de parade, Auguste a consulté le comte de Wackerbart, qui était un peu son conseiller artistique. Il tenait à tout prix à imiter ce qu'il avait vu, jeune homme, à la cour de ce grand roi au goût très sûr, Louis XIV, pour lui la référence absolue. Que ce soit avec le mobilier d'argent ou bien sûr la joaillerie, son objectif était d'égaler, voire dépasser ce rival invisible. Louis XIV avait 3 parures de bijoux, Auguste en aura 12 à la fin de sa vie. Voilà un moyen de s'affirmer, une victoire en quelque sorte. Le précieux mobilier de l'appartement de parade émerge aujourd'hui de plusieurs décennies passées à sommeiller dans des vitrines ou des réserves. En 2019, il retrouve enfin la place qui lui avait été assignée. Le mobilier de l'appartement de parade était en grande partie d'origine française. Durant toutes les années 1710, Auguste Lefort envoie des agents faire la navette entre Dresde et Paris afin d'acquérir des peintures, des œuvres d'art et des meubles. Il s'était constitué des réserves, et tant mieux, car en 1718, quand il a été contraint d'aménager ses pièces en un temps record, il a pu puiser dans ce qu'il avait accumulé auparavant. Ce portrait du prince héritier Frédéric Auguste est également l'œuvre d'un artiste français, Hyacinthe Rigaud, à qui l'on doit le célèbre tableau de Louis XIV en grand costume royal. Le futur électeur de Saxe était allé présenter ses hommages au portraitiste de la noblesse européenne en 1714. Comme son père avant lui, le jeune Frédéric Auguste fait lui aussi son grand tour. Et c'est encore une fois Élisabeth Charlotte de Bavière qui introduit le visiteur à la cour. La rencontre avec Louis XIV, alors âgé de 76 ans, est immortalisée par Louis de Sylvestre. Le prince, vêtu de rouge, esquisse une révérence face au roi de France. Entre les deux hommes, la douairière, duchesse d'Orléans Liselotte, âgée de 62 ans. Je dis simplement, sire, voici le prince électeur de Saxe qui a souhaité que je le présentasse à votre majesté. Le prince s'approcha et faisant bonne mine, dit au roi un joli compliment, sans hésiter.
Il reçut ainsi les faveurs et de Sa Majesté et de toute la cour. Venise est naturellement au programme du prince. Mais à la différence de son père, Frédéric Auguste montre peu d'intérêt pour la boisson et les plaisirs de la chair. Ce pieux catholique n'est pas homme de conquête, mais plutôt esthète, féru d'opéra italien et collectionneur passionné. Frédéric Auguste fera venir à Dresde non seulement Canaletto, mais aussi une légion de peintres, architectes, musiciens et chanteurs vénitiens. Auguste le Fort s'éteint en 1733, à Varsovie. Son fils, Frédéric Auguste, âgé de 36 ans, usera du soutien de l'Autriche et de la Russie pour conserver la couronne de Pologne. Jean-Sébastien Bach dédie au souverain couronné sous le nom d'Auguste III une cantate intitulée « Apprécie ton bonheur, Saxe béni ». C'était un homme plutôt introverti, mais en tant que monarque, ce qu'il est devenu en 1733 et en 1734 avec l'élection au trône de Pologne, il a eu plus de succès que son père. Pour la Pologne, les 30 années de son règne sont une sorte de petit âge d'or. Quant à la Saxe, elle a bénéficié d'une période beaucoup moins belliqueuse qu'auparavant. Plutôt que d'investir dans son armée, le pieux Auguste III finance les arts et reprend les prestigieux projets architecturaux de son défunt père. C'est ainsi que Matthäus Daniel Pöppelmann est chargé d'achever la transformation du château de Moritzburg en pavillon de chasse et maison de plaisance de style baroque. À Groß-Zettlitz, non loin de Dresde, la cour célèbre l'union entre la Saxe et la Pologne par une gigantesque fête inaugurant l'ordre de l'Aigle Blanc. L'immense jardin baroque d'inspiration française est l'un des lieux de récréation favoris de ce roi mélomane. Auguste III engage à sa cour de célèbres compositeurs et chanteurs, dont Faustina Bordoni, l'une des divas de l'Opéra de Venise. Tous ces artistes font que Dresde s'impose bientôt comme la capitale culturelle de l'Europe. Mais ce prestige a un prix. L'opéra de Dresde, dans lequel les Italiens prédominent, doit débourser plus de 100 000 thalers par an pour rémunérer son personnel. Cette passion de l'opéra remonte sans doute au grand tour de Frédéric Auguste et à son séjour en Italie. L'opéra de Dresde devient l'un des principaux opéras en Europe durant son règne. Dresde, à l'époque, c'était un peu le festival de Salzbourg à la puissance 3. Il a fait venir les meilleurs solistes, les meilleurs musiciens et orchestres, ce qui coûtait relativement cher. En dehors de cela, ce qui nous reste de lui, c'est la galerie de peinture et le cabinet des gravures. C'était sa vision de la sensualité. Le Vénitien Bernardo Bellotto répond en 1747 à l'appel de ce roi amoureux des arts. Neveu et élève de Canaletto, dont il reprend le nom, il est nommé peintre de cour et signe une série de vedoutés de la ville de Dresde. Ses vues panoramiques accroissent la célébrité de la capitale des princes de Saxe et sont de nos jours encore des motifs de cartes postales recherchées. Cette peinture de Canaletto représente la place du Neumarkt à Dresde, avec l'église Notre-Dame en toile de fond. On distingue au centre le carrosse royal, tiré par 6 chevaux. La caisse semble pencher sur le côté, allusion à peine voilée à la corpulence d'un monarque de plus en plus enrobé. Sur la gauche du tableau, les anciennes écuries princières. Cet édifice de la Renaissance abrite depuis 1747 les collections royales de peinture.
À peine monté sur le trône, Auguste III achète à Venise 44 tableaux. 200 autres suivront, tous acquis en Italie, qui formeront le fond d'un musée aujourd'hui célèbre dans le monde entier, la Galerie de peinture des vieux maîtres. Je trouve que les Saxons ont fait preuve d'un flair impressionnant dans leur acquisition d'œuvres d'art. Le but était à chaque fois de dire « Regardez bien, moi, je sais exactement qui sont les peintres qui comptent en ce moment et j'achète en conséquence. » Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Ils étaient toujours en prise directe avec leur époque, jamais tournés vers le passé. Ils étaient, pour ainsi dire, à l'avant-garde des débats sur le goût, la musique, les beaux-arts. C'est ce qui guidait leurs achats et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui d'avoir ces magnifiques collections. Pendant des années, les émissaires du roi sont à la recherche d'un tableau du maître de la Renaissance, Raphaël. Ils vont en trouver un au monastère Saint-Sixte de Plaisance, entre Milan et Parme, dont les moines, en grande difficulté financière, sont prêts à se séparer de leur retable. En mars 1704, une voiture à cheval transportant ce trésor arrive dans les rues de Dresde. Auguste III aura déboursé 35 000 thalers pour acquérir son premier Raphaël, la Madone Sixtine. Cette œuvre est aujourd'hui la pièce maîtresse des collections de la Galerie des Vieux Maîtres, située au Zwinger. C'était le tableau le plus cher de son temps, un véritable chef-d'œuvre qui avait toute sa place dans la collection de peinture, elle-même parmi les plus précieuses, si ce n'est la plus précieuse de toute l'Europe du nord des Alpes à cette époque. Mais le roi n'aura guère le temps de contempler son cher tableau. Le 29 août 1756, l'armée de Prusse envahit le territoire de la Saxe. C'est le début de la guerre de 7 ans. Frédéric II de Prusse mène une politique agressive pour faire de son royaume une grande puissance européenne. Dès 1752, dans son premier testament politique, il affirme que la Saxe est le territoire convenant le mieux pour s'ajouter à ceux du Brandebourg et de la Prusse. D'une part parce que la terre est riche, de l'autre pour faire tampon entre Berlin et les Habsbourg. Pour l'armée de Frédéric II, la Saxe est une proie facile. Les caisses du royaume sont vides. L'armée saxonne, qui ne compte plus que 40 000 hommes, est dans un état pitoyable et ne peut tenir tête aux 70 000 fantassins des troupes prussiennes. Le roi et sa cour se réfugient à Varsovie. En 1760, une pluie de boulets de canon s'abat sur les toits de Dresde. Cette guerre s'est faite sur le dos de la Saxe pendant près de 7 ans. Le roi de Prusse comparait la Saxe à un sac de farine, disant que, même vide, on pouvait toujours taper dessus pour en tirer quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait. Le conflit ne prendra fin qu'en 1763. Pour la Saxe, le bilan est désastreux. La guerre a coûté 300 millions de thalers. Dresde a perdu un tiers de sa population. La ville est un champ de ruines. L'église Sainte-Croix, érigée au XVe siècle, a été livrée aux flammes. Son clocher s'effondrera 2 ans plus tard. Et ce spectacle de désolation sera immortalisé par Canaletto, qui signe là la dernière de ses grandes vues de Dresde. Ce que Canaletto avait représenté dans ses tableaux est en grande partie détruit dans le bombardement de 1760. La Dresde baroque ne survivra pas à Frédéric II. Une situation dramatique que Goethe a décrite lorsqu'il s'y est rendu et a vu les champs de ruines 10 ou 15 ans après la fin de la guerre de 7 ans. Auguste III conserve sa couronne, mais la Pologne est définitivement perdue. La Saxe se retire du concert des grandes nations européennes. En 1763, le souverain mélomane meurt dans sa loge lors d'une sortie à l'opéra. L'âge d'or de la Saxe est révolu.
Dans ce tableau de Louis de Sylvestre, les deux Augustes, père et fils, en armure antique, évoquent des divinités romaines. Et de fait, les édifices et œuvres d'art que les deux hommes ont légués à Dresde semblent leur conférer une aura d'éternité. Je pense que cela restera comme l'une des grandes époques culturelles de l'histoire de l'Europe. Une époque durant laquelle s'est bâti progressivement un édifice d'une portée toujours tangible de nos jours. Dresde ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans les deux Augustes. C'est un élément constitutif de notre identité allemande. Les habitants de Dresde sont fiers de leur patrimoine baroque. Ou, pour reprendre les mots du grand écrivain italien Umberto Eco, à Dresde, on ne vous demande même pas si la ville vous paraît belle. On vous le dit.